tenemos la Facultad de Psicología tiene, el honor de presentar para la conferencia de hoy al profesor René Caez. El profesor René Caez cursó sus estudios de psicología en la Universidad de Estrasburgo, donde tuvo profesores de la clase de Adrien Thiers, Daniel Lagache y Paul Ricoeur. Se formó como psicoanalista con Adrien Thiers y en 1963 se trasladó a la Universidad de Aix-en-Provence. Allí fundó el Laboratorio de Psicología y Psicopatología Clínica. Hizo su entrenamiento grupal en el seno de CEPRAP, fundado por Adrien Thiers, donde tuvo como colegas a Michenard, de Caranó, Contrary, entre otros. Actualmente es profesor en la Universidad de Lyon II, en la que dirige, además, el Centro de Investigaciones Clínicas sobre las formaciones intermediarias. A partir de su experiencia en el trabajo psicoanalítico con grupos, ha desarrollado conceptos como el del aparato psíquico grupal y son conocidos sus estudios sobre ideología de los grupos, las formaciones intermediarias, la negatividad en contextos inter y transsubjetivos, el apuntalamiento del psiquismo en el contexto grupal, etc. Es autor y coautor de varios libros. El aparato psíquico grupal, el trabajo psicoanalítico en los grupos, crisis, ruptura y situación, la institución y las instituciones, para mencionar solo algunos de los traducidos al castellano. Además, escribió numerosos artículos sobre su especialidad, muchos de ellos de publicación en la Argentina. René Caez es uno de los representantes más importantes de la escuela francesa, referente indispensable para conocer el estado actual del psicoanálisis grupal. Queremos agradecer a la Asociación de Psicoterapia de Grupos que ha hecho posible que el profesor René Caez esté hoy entre nosotros. Al mismo tiempo, queremos decirle al profesor Caez que ambas cátedras de grupos, junto con otras cátedras de la facultad, toman sus trabajos como ejes bibliográficos y su referente permanente de nuestras investigaciones en relación a los espacios colectivos. Bueno, con ustedes, René Caez. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré à mon tour d'être invité par votre université et je voudrais, en la personne de ma collègue Anna Fernandez, la remercier. Votre université est très connue pour être un foyer de débat intense et les travaux des professeurs sont également très connus. Je voudrais ce matin vous présenter une synthèse de mes recherches. Cette synthèse comportera nécessairement des schématisations. Et j'espère qu'au cours du débat, nous pourrons revenir sur des points trop condensés. J'ai récemment proposé une vue d'ensemble sur les recherches que j'ai entreprises depuis 25 ans sur la construction psychanalytique de la question du groupe. Recientemente propuso una visión de conjunto sobre las investigaciones que emprendí hace 25 años en lo que se refiere a la construcción psicoanalítica de la cuestión del grupo. Dans cet ouvrage, j'expose et je reprends les éléments d'une théorie que j'avais donné, dont j'avais donné une première formulation en 1976 dans un ouvrage intitulé L'appareil psychique groupal, construction du groupe. Y retomo los elementos de una teoría de la que ya había hecho una primera formulación en 1976 en una obra intitulada El aparato psíquico grupal, construcciones de luto. La hipótesis fundamental que organizé mi recherche a esa época n'a pas été rejetée
Elle a été mise à l'épreuve par d'autres chercheurs et elle a bénéficié au contraire de quelques perfectionnements. La ipotesi fondamentale che ordenava l'investigazione in questa epoca non ha sido rechazada. Por el contrario, fue puesta a prueba por otros investigadores, beneficiándose así de algunos perfeccionamientos. L'objectif manifeste que j'ai assigné à mon livre est de proposer quelques éléments d'une compréhension psychanalytique des phénomènes psychiques qui se produisent dans les petits groupes humains. El objetivo manifiesto de atribuir a mi obra es la defensa de proponer algunos elementos para una comprensión psicoanalítica de los fenómenos psíquicos que se producen en los grupos humanos reducidos. Toutefois, notre objectif comporte un autre enjeu. Il s'agit de comprendre comment, à travers les diverses modalités liées à un texte subjectif, et spécialement dans la forme paradigmatique du groupe, comment se constitue, se transforme, disparaissent la subjectivité, le sujet singulier, le je capable de penser sa place dans les ensembles. Sin embargo, este objetivo implica una otra apuesta. Entender cómo, a través de las diversas modalidades del vínculo intersubjetivo y especialmente en la forma paradigmática del grupo, cómo se constituyen, se transforman o desaparecen la subjetividad, el sujeto singular y el yo capaz de pensar su lugar dentro de los conjuntos. De leur rapport à ces ensembles intersubjectifs, qui les précèdent, qui les traversent, les sujets sont pour une part constitués comme sujets de l'inconscient, et pour une autre, ils sont constituants de la réalité psychique qui se produit dans les corps. De sus relaciones con estos conjuntos intersubjetivos que los preceden y que los atraviesan, los sujetos están por una parte constituidos como sujetos del inconsciente y por otra parte son constituyentes de la realidad psíquica que se produce en el grupo. Le problème majeur, c'est évidemment de établir pourquoi le concept de groupe est pensable avec l'hypothèse de l'inconscient. El problema principal reside, obviamente, en establecer en qué el concepto de grupo se puede pensar, es pensable, con la hipótesis del inconsciente. Ce problème a un corollaire qui s'énonce ainsi. En quoi le concept de l'inconscient se transforme-t-il avec l'hypothèse du groupe? Este problema tiene un corolario que se enuncia de la manera siguiente. ¿En qué el concepto del inconsciente se transforma con la hipótesis del grupo? Cette formulation élémentaire des deux faces d'un même problème se conduit en raison des niveaux logiques qui constituent le problème psychanalytique. Esta formulación elemental de dos caras del mismo problema se complica debido a los niveles lógicos que constituyen el problema psicoanalítico del grupo. Groupe désigne, en effet, tout d'abord la forme, la structure paradigmatique d'une organisation de liens intersubjectifs, sous l'aspect où les rapports entre plusieurs sujets de l'inconscient produisent des formations et des processus psychiques spécifiques. Grupo designa efectivamente, ante todo, la forma y la estructura paradigmática de una organización de vínculos intersubjetivos, en la medida en que las relaciones entre varios sujetos del inconsciente producen formaciones y procesos psíquicos específicos. Cette structure intersubjective de groupe, les fonctions qu'elle accomplit et les transformations qui se manifestent sont repérables dans les groupes empiriques, contingents, qui forment le cadre de nos relations intersubjectives organisées. Esta estructura intersubjetiva de grupo, las funciones que se cumple y las transformaciones que se manifiestan son observables en los grupos empíricos y contingentes que forman el marco de nuestras relaciones intersubjetivas organizadas. Le second niveau logique est celui où groupe désigne la forme et la structure d'une organisation intra-psychique, caractérisée par des liaisons mutuelles entre ces éléments constitutifs et par les fonctions que cette organisation accomplit dans l'appareil psychique. Le secondo livello logico è sapere che il gruppo designa la forma e la struttura di una organizzazione psichica.
justicia caracterizada por las ligaciones mutuas entre sus elementos constitutivos y por las funciones que esta organización cumple en el aparato psíquico. Selon cette perspective, le groupe se spécifie comme groupe interne. De acuerdo a esta perspectiva, el grupo se especifica como un grupo interno. Je voudrais préciser que ces groupes internes ne sont pas une simple projection anthropomorphique des groupes intersubjectifs, empiriques, ni la pure introjection des objets des relations intersubjectives. Quiero aclarar que estos grupos no son la simple proyección antropomórfica de los grupos intersubjetivos, ni la pura introyección de los objetos y de las relaciones intersubjetivas. Dans la conception que je propose, et qui s'appuie sur la conception freudienne des groupes psychiques, la groupalité psychique, c'est une organisation caractéristique de la matière psychique. La conception que je propose et qui se base sur la conception freudienne des groupes psychiques, la groupalité psychique est une organisation caractéristique de la matière psychique. On voit ainsi que le concept de groupe s'applique à deux espaces psychiques hétérogènes l'un à l'autre, de consistance et de logique distincte. El concepto de grupo se aplica entonces a dos espacios psíquicos heterogéneos uno con respecto a otro, de consistencia y de lógica diferente. Les différentes articulations entre ces deux espaces, qui entretiennent des rapports de fondation réciproque, est au cœur de ma recherche. Las distintas articulaciones de estos dos espacios, que mantienen relaciones de fundación recíproca, se encuentran en el centro de mi investigación. Je soutiens donc que le groupe intersubjectif est l'un des lieux de la formation de l'inconscient. Et corrélativement, je propose que la réalité psychique propre à l'espace intersubjectif groupal s'étale sur certaines formations de la globalité intrapsychique. Sustento entonces que el grupo intersubjetivo es uno de los lugares de formación del inconsciente. Correlativamente, propongo que la realidad psíquica propia del espacio intersubjetivo grupal se basa en ciertas formaciones de la globalidad intrapsíquica. Un troisième, selon un troisième sens, groupe désigne un dispositif d'investigation et de traitement des formations et des processus de la réalité psychique engagés dans le rassemblement de sujets dans un groupe. En un tercer sentido, grupo designa un dispositivo de investigación y de tratamiento de las formaciones y de los procesos de la realidad psíquica comprometida en la reunión de sujetos en un grupo. Vous savez que les propositions initiales de Freud sur ce qu'il nomme sa psychologie sociale, entre guillemets, et qu'il définit comme partie intégrante de la psychanalyse, que ces propositions n'ont pas été mises à l'épreuve d'une situation psychanalytique appropriée. Ustedes saben que las proposiciones, las propuestas iniciales de Freud en lo que se llama su psicología social, entre comillas, y que él define como parte integrante del campo psicoanalítico, no fueron puestas a prueba de una situación psicoanalítica apropiada. Bien que la théorisation du groupe en tant que dispositif méthodologique demeure à bien des égards encore insuffisante, la longue expérience de la pratique du travail psychanalytique en situation de groupe a permis d'établir à quelles conditions le groupe peut constituer un paradigme méthodologique approprié à l'analyse des formations de l'inconscient et de leurs effets de subjectivité dans les ensembles intersubjectifs. Aun cuando la teorización del grupo, en tanto que dispositivo metodológico, quede en muchos aspectos como insuficiente todavía, la larga experiencia de la práctica del trabajo psicoanalítico en situación de grupo permitió establecer en qué condiciones el grupo puede constituir un paradigma metodológico apropiado para el análisis de las formaciones del inconsciente y de sus efectos de subjetividad en los conjuntos intersubjetivos. Je peux maintenant préciser le but ultime de ma recherche. À partir des connaissances de l'inconscient, auxquelles la situation de la cure individuelle et la situation psychanalytique de groupe nous ouvrent l'accès,
je voudrais mettre en place et en travail les hypothèses et les concepts qui rendent possible l'intelligibilité de l'appareillage entre ces deux espaces hétérogènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Quisiera ahora aclarar el objetivo, la meta última de mi investigación. A partir de los conocimientos del inconsciente, en los cuales la situación de la cura individual y la situación psicoanalítica de grupo nos abren acceso, quisiera implantar y poner en práctica, en trabajo, las hipótesis y los conceptos que hacen posible la inteligibilidad del montaje entre estos dos espacios heterogéneos de los que hablé hace un momento. Il s'agit finalement de trouver dans la psychanalyse la matière et la raison d'une théorie générale du groupe qui puisse avoir sens pour la compréhension et de la psyché individuelle et de la psyché de groupe et de leur rapport. Et c'est dans cette perspective que j'avance le concept de sujet libre. Se trata por último de encontrar en el psicoanálisis la materia y la razón de una teoría general del grupo que puedan tener sentido para la comprensión tanto de la psiquis individual como de la psiquis del grupo y de su relación. Dentro de esta perspectiva, anticipo el concepto de sujeto del grupo. J'introduis ce concept dans le cadre d'une hypothèse générale. Presento este concepto en el marco de esta hipótesis general. La psicanálisis freudienne soutient une conception intersubjective du sujet de l'inconscient. El psicoanálisis freudiano sustenta una concepción intersubjetiva del sujeto del inconsciente. Elle requiert l'intersubjectivité comme la condition constitutive de la vie psychique humaine. Esta requiere la intersubjetividad como una condición constitutiva de la vida psíquica humana. Je dirais qu'elle la requiert de deux côtés, sans que l'on puisse décider lequel est prévalent sur l'autre. Elle le requiert du côté de la détermination intrapsychique, et l'on supposera que l'altérité est l'effet de la division du sujet de l'inconscient. Elle le requiert d'un autre côté, celui de la précession de l'ensemble intersubjectif, qui, dès avant la naissance à la vie psychique, nous a déjà constitué comme un autre. Un objet, un modèle, un soutien, un héritier, qui va nous constituer comme sujet du groupe. Diría entonces que la requiere de ambas partes, sin que se pueda decidir cuál prevalece sobre la otra. Por una parte, por el lado de la determinación intrapsíquica, que se supone que la alteridad es el efecto de la división del sujeto del inconsciente. Por otra parte, por la parte de lo que de la precesión, o sea, de lo que precede, del conjunto que, antes de su nacimiento a la vida psíquica, lo tiene ya constituido como un otro, un objeto, un modelo, un sostén, un heredero, y lo constituirá o no como un sujeto del grupo. La conception que je propose ne peut donc pas, à mon avis, être opposée à cette exigence que s'est initialement assignée la psychanalyse, celle de traiter la vie psychique du sujet considéré dans sa singularité à partir de ses seules déterminations internes. La conception que propongo ne peut estar entonces opuesta a la exigencia que inicialmente se le asignó al psicoanálisis. De tratar la vida psíquica del sujeto considerado en su singularidad a partir de las únicas determinaciones internas. Le sujet auquel la psychanalyse a affaire n'est pas le sujet social, mais le sujet de l'inconscient. Et le groupe est à considérer ici comme une condition de la formation de l'espace intrapsychique et donc probablement de l'inconscient. El sujeto del que trata el psicoanálisis no es el sujeto social, sino el sujeto del inconsciente. El grupo es entonces aquí considerado como una condición de la formación del espacio intrapsíquico y entonces así probablemente del inconsciente. Je voudrais maintenant souligner ceci. La question du groupe, comme pratique, comme lieu d'une réalité psychique, inaccessible autrement, ne peut plus, à mon avis, être pensée seulement comme une application de la psychanalyse. Quisiera destacar algo. La cuestión del grupo, como práctica,
mente como lugar de una realidad psíquica inaccesible por otra vía, no puede estar pensada de manera mejor como una aplicación del psicoanálisis. La question du groupe est maintenant en mesure de se déployer comme un problème consistant dans la psychanalyse et sur toutes les dimensions où la psychanalyse s'est constituée, c'est-à-dire, selon Freud, comme méthode de recherche, comme procédé de traitement des troubles psychiques et comme connaissance théorisable et communicable de l'inconscient et de ses effets de subjectivité. Es esa medida de desplegarse como un problema consistente en el psicoanálisis, en todas las dimensiones en las que este se constituyó. Como método de investigación, procedimiento de tratamiento de los trastornos psíquicos, conocimiento teorizable y comunicable del inconsciente y de sus efectos de subjetividad. Recíprocamente, la cuestión del grupo interroga los savoirs de la psicanálisis, la façon dont elle les a construits et les limites de leur validité. C'est-à-dire que la question du groupe est une des voies d'accès à une critique épistémologique de la psychanalyse. Réciproquement, la question du groupe interroga los saberes de psicoanálisis, la manera en que este los ha construido y los límites de su validez. Es decir, que la question du groupe es una de las vías de acceso a una crítica epistemológica del psicoanálisis. Je voudrais aussi souligner que la perspective que je propose a été conquise sur des obstacles, sur des résistances qui en ont longtemps occulté les enjeux. Quisiera decir también destacar que esta perspectiva que propongo y estas propuestas fueron conquistas sobre los obstáculos y las resistencias que durante mucho tiempo ocultaron las apuestas. Digamos, los desafíos, diría yo, de estas mismas apuestas. Faire de ces futés le levier même de la recherche, l'indicorer de ces inerties, y puiser l'énergétique de la méthode, c'est là une démarche constante chez Freud, chez Bachelard, chez George Lebel. Transformer la résistance au travail d'un non, objecter à une hypothèse, élaborer une pensée, dans la réticence, lever la représentation du désir et de l'angoisse qu'il suscite, voilà le travail que nous avons effectué. Convertir estos topes de retención en la palanca misma de la investigación, reforzar, darle fuerza a sus inercias y extraer lo energético del método es exactamente el camino constante en Freud, Bachelard y en Georges Devereux. Es decir, transformar la resistencia en trabajo, de un no objetado a una hipótesis, elaborar un pensamiento, en la resistencia, levantar la representación del deseo y de la angustia que éste suscita. Entre el obstáculo y el problema, el paso de un descubrimiento posible, el espacio para un debate. Quels que soient les parcours que nous effectuions pour penser avec la psychanalyse la question du groupe, nous sommes invariablement, et plus d'une fois troublés, devant ce qui se dérobe à notre connaissance. Cualquiera sea los recorridos que efectuemos para pensar con el psicoanálisis la cuestión del grupo, estamos invariablemente y más de una vez perturbados ante lo que se escapa a nuestro conocimiento. Somos, en algunos casos, nos quedamos en algunos casos paralizados por fuerzas de una naturaleza muy particular. Como si hubiera des obstáculos que no tiennent pas seulement aux résistances banales que le sujet connaissant oppose à son désir de savoir, mais plutôt à des difficultés que l'on pourrait dire symptomatiques. Elles seraient tenues ensemble de plusieurs côtés, dans une sorte d'affinité conflictuelle, ou dans des liens nécessaires et discordants. Comme si hubiera en eso obstáculos que no tienen que ver solamente con las resistencias triviales del sujeto que conoce o pone a su deseo de saber, sino más bien las dificultades que podrían llamarse sintomáticas. Estas serían, como convergerían, serían tenidas
como atadas todas juntas de varios lados, en una especie de actividad conflictiva, en vínculos necesarios y discordantes. Ce que je voudrais souligner, c'est que la difficulté que nous rencontrons à penser le groupe avec la psychanalyse tient peut-être à une contradiction fondamentale et fondatrice qui témoignerait des liens originaires entre groupe et psychanalyse. Lo que quiero destacar es que la dificultad que encontramos aquí en pensar el grupo con el psicoanálisis puede deberse a una contradicción fundamental y fundadora que sería el testimonio de los vínculos originales entre grupo y psicoanálisis. Alors je voudrais essayer de qualifier ce que j'entends par cet obstacle originaire. Mon point de vue est que la question du groupe est déjà introduite dans la psychanalyse, dès son origine, avec insistance, résistance et passion. Mi punto de vista es que la cuestión del grupo ya fue introducida en la psicoanálisis, desde su origen, con insistencia, resistencia y pasión. J'ajouterai en parenthèse que cette conflictualité entre la psychanalyse et le groupe est encore actuelle. Lo que quiero agregar es que este conflicto, esta conflictividad entre el psicoanálisis y el grupo todavía es actual. Le groupe a constitué la matrice féconde, féconde et traumatique de l'invention de la psychanalyse, de son institution et de sa transmission. El grupo constituyó la matriz fecunda y traumática de la invención del psicoanálisis, de su institución y de su transmisión. La théorie et la pratique de la psychanalyse portent trace des enjeux passionnés, souvent violents, répétitivement traumatiques, qui ont été misés dans sa fundación. La teoría y la práctica del psicoanálisis llevan las huellas de los compromisos apasionados, la mayor de las veces violentos y repetitivamente traumáticos, que fueron planteados en su forma, a los que se apostó desde su fundación. Tout se passe comme si la mutation que Freud a même décrite entre le régime de la horde à celui du groupe civilisé et créateur de pensée, tout se passe comme si cette mutation devait être constamment remise en travail. Todo transcurre como si la mutación que Freud describió él mismo entre el régimen psíquico y cultural de la horda y el del grupo civilizado y creador de pensamiento debería estar constantemente retrabajado, reelaborado. Cette affinité conflictuelle irrésolue pourrait être rapportée pour une part à ce paradoxe. L'exploration du plus intime, du plus caché, du plus singulier, du moins ce qui se laisse représenter comme tel, et contre quoi se mobilisent les effets conjoints de la censure intra-psychique et de la censure sociale. Cette exploration ne peut s'entreprendre que dans une relation intense de petits groupes et tout à la fois contre certains effets de cette relation. Esta afinidad conflictiva y resoluta podría ser, digamos, reducida por una parte a esta paradoja. La exploración de lo más íntimo, de lo más oculto y de lo más singular, por lo menos de lo que se deja representar como tal, y contra lo que se movilizan los efectos conjuntos de la censura intrapsíquica y de la censura social. Esta exploración no puede entenderse sino dentro de una relación intensa de grupo reducido y al mismo tiempo contra ciertos efectos de esta relación. Pour Freud, Fliess a d'abord tenu cette double fonction dans la forme d'une relation de couple, puis dans le groupe que Freud convoque, réuni autour de lui, plus d'un autre semblable devienne nécessaire pour que se forme la psychanalyse. Para Freud, Fliess fue el primero que tuvo esta doble función en la forma de una relación de pareja. En el grupo que Freud convoca y reúne alrededor de él,
más de un otro semejante se vuelve necesario para que se forme el psicoanálisis. Y ese se forma en estos dos. Elle se forme donc dans ces deux lieux symétriques mais hétérogènes l'un à l'autre, mais liés entre eux par des voies de liaison encore méconnues. L'espace singulier de la situation psychanalytique de la cure et celui du groupe que constituent les psychanalystes qui inventent la psychanalyse. Et se forma en dos lugares disimétricos y heterogéneos uno con respecto al otro, pero et que tienen un correlato entre sí por las vías de ligación que están todavía mal conocidas. El espacio singular de la situación psicoanalítica de la cura y el del grupo que constituyen los psicoanalistas que inventan el psicoanálisis. Mon hypothèse est que c'est dans les rapports entre ces deux espaces antagonistes et complémentaires que s'éprouvent et s'élaborent les tumultueuses découvertes de l'inconscient. À travers ces surgissements, dans la solitude de la cure et dans les vicissitudes du lien intersubjectif de groupe. Mi hipótesis entonces es que las relaciones entre estos dos espacios antagonistas y complementarios es aquí donde se prueban y se elaboran los descubrimientos tumultuosos del inconsciente a través de los surgimientos de la soledad de la cuna y las vicisitudes del vínculo intersubjetivo del grupo. A plus d'un titre. Le groupe sera la autre face ombragée et ombrageuse de l'espace de la cure. Comme de une raison, on pourrait dire que le groupe sera la contre-cara sombreada et recelosa de l'espace de la cure. Dans le groupe que Freud fonde et qui, désormais, va l'entourer jusqu'à quelquefois lui devenir insupportable, Freud trouve un écho de ses pensées. Il porte la parole, il porte à ce groupe la parole qui dit les choses de l'inconscient. Et en retour, le groupe lui apprend les choses du lien d'amour et de haine que disent les hommes rassemblés autour de leur idéal commun. En el grupo que funda y que a pesar de todo lo rodea, hasta a veces convertirse en insoportable, Freud encuentra un eco a sus pensamientos. Transmite lo que dice las cosas del inconsciente. Y a su vez el grupo le da cosas, le dice cosas, le enseña cosas sobre el vínculo de amor y de odio que tejen los hombres reunidos alrededor de un ideal común. Le groupe est aussi pour Freud un filtre pour ses émotions, un par excitation auxiliaire, un objet sur lequel il exerce son emprise, sur lequel il éprouve les butées des résistances que lui oppose, assurément. Qui s'oppose assurément à la psychanalyse. Para Freud, el grupo también es un filtro para sus emociones, un par de excitaciones auxiliar, el objeto en el cual ejerce su empresa, sobre el cual experimenta los obstáculos de la resistencia que se opone seguramente a sus resistencias al psicoanálisis. Quelques années plus tard, la création du comité répondra mieux encore à ses objectifs et en outre à celui de constituer le groupe en gardien des idéaux et de l'orthodoxie, c'est-à-dire dans sa fonction idéologique. Años más tarde, la creación del comité responderá mejor todavía. Algunos años, digamos, a estos objetivos y además al de constituir el grupo en guardián de los ideales de la ortodoxia, es decir, en su función ideológica. Le groupe se précisera ainsi comme le contenant méta-individuel de la découverte de l'inconscient. El grupo va a delinearse así como el continente meta-individual del descubrimiento del inconsciente. Cette scène du groupe, qui sera le lieu de tant de scènes de famille, de scènes de ménage, ne prendra tout ce relief et cette densité que parce qu'il sera l'espace qui recevra les transferts de transferts non analysés, moins suffisamment analysés, notamment les transferts grandioses et persécutoires, rejetons destructeurs de l'illusion groupale qui soutient les premiers psychanalystes. Esta escena de grupo, que será el lugar de tantas escenas de familia y de pareja, va a tomar todo su relieve y esta densidad cuando podrá convertirse en el espacio.
espacio que recibirá las transferencias de las transferencias no analizadas o insuficientemente analizadas, principalmente las transferencias grandiosas y persecutorias, brotes destructores de la ilusión grupal que sostiene a los primeros psicoanalistas. Ce sont ces résidus, ce sont ces restes qui seront investis, entretenus et liés entre eux dans l'économie, dans la dynamique, dans la topique intersubjective du monde. Y son estos vestigios y estos restos los que van a ser investidos, mantenidos y relacionados entre sí en la economía, la dinámica y la tópica intersubjetiva del grupo. Et c'est là que se trouve la matière et l'énergie requise, transformée et méconnue pour fonder l'institution de la psychanalyse. Y es ahí donde se encuentran la materia y la energía requerida, transformada y mal conocida para fundar la institución del psicoanálisis. Le fait que la question du groupe ait été introduite dans la psychanalyse dès son origine, avec insistance, résistance, aversion, explique, pour une part, que le groupe ait été, pour Freud théorisant, un des modèles majeurs de la représentation du fonctionnement psychique. La cuestión del grupo haya sido presentada e introducida en el psicoanálisis desde su origen, con insistencia, resistencia y aversión, explica, por una parte, que el grupo haya sido para el Freud teórico uno de los modelos principales de la representación del funcionamiento psíquico. C'est probablement aussi pour cette raison que le groupe a constitué un des domaines privilégiés de l'application de la psychanalyse et de la spéculation psychanalyse. Probablemente por eso también es que constituyó el grupo uno de los campos privilegiados de la aplicación psicoanalítica y de la especulación psicoanalítica. Au fond, tout se passe comme s'il fallait, pour faire avancer la question de l'inconscient, nécessairement rencontrer la butée du groupe, inaccessible à la méthode du livre. En realidad todo ocurre como si hubiera, que como si para poder hacer avanzar esta cuestión del inconsciente hubiera necesariamente que encontrar el obstáculo del grupo inaccesible al método del Diván. Je pense qu'aujourd'hui personne ne se méprend sur la valeur de fondation théorique qu'exprime le titre de l'ouvrage qui inaugure la seconde utopique. Psychologie des masses et analyse du moi, c'est par le traitement de la première question, psychologie des masses du groupe, que s'éclaire la seconde, l'analyse du moi. Espero que hoy en día nadie se equivoque sobre o se confunda sobre el valor de fundación teórico que expresa el título de la obra que inaugura la segunda tópica, psicología de masas y análisis del yo. Es por el tratamiento de la primera cuestión que la segunda se aclara. Mais en même temps que le groupe a ce statut de fondation et même de modèle théorique dans la psychanalyse, il sera toujours exclu du champ pratique de la psychanalyse, dans la mesure où certaines de ses caractéristiques relevantes sont précisément opposables au travail de l'analyse. Pero al mismo tiempo, el grupo estará siempre excluido del campo práctico del psicoanálisis en la medida en la que algunas de sus características relevantes se oponen al trabajo del análisis. En effet, le groupe sollicite les effets d'unité ou de synthèse opposés à l'analyse. Il cultive l'esprit de corps et la prévalence du « on », la sollicitation spectaculaire et hystérogène, là où, précisément, l'analyse soutient, dans le mouvement séparateur du « je », le travail de la représentation de parole et l'effort pour en saisir la singularité. Efectivamente, solicita los efectos de unidad o de síntesis que se opone al análisis, cultiva el sentimiento de solidaridad y la prevalencia de uno, de sí, la solicitación espectacular heterógena, ahí donde precisamente el análisis sustenta el movimiento separador del yo, el trabajo de la representación de palabras y el esfuerzo para captar la singularidad de este.
la singularidad de él. J'ai essayé de montrer que cette affinité originaire de la psychanalyse avec le groupe, l'affinité refoulée et résurgente, du fait même des conflits qu'elle contient, porte trace des enjeux passionnés qui ont été misés dans la fondation de la psychanalyse. La thèse démontre que cette affinité originale de la psychanalyse avec le groupe, reprimida et resurgente del hecho mismo de los conflictos que contiene, lleva el rasgo, digamos, tiene la marca de las apuestas apasionadas que tuvieron lugar desde su fundación. Ces traces non pensées maintiennent le groupe comme une question indéfiniment mise en suspens, rejetée, méconnue et quelquefois alors mise en procès. Estas huellas no pensadas son las que conservan al grupo, mantienen al grupo como una cuestión indefinidamente puesta en suspenso, rechazada y mal conocida, y hasta algunas veces puesta en tela de juicio. Je voudrais maintenant parler de certains aspects du problème épistémologique que pose le groupe. Quisiera ahora hablarles del problema epistemológico del grupo. Introduire une nouvelle situation dans la pratique psychanalytique modifie nécessairement la représentation de la réalité psychique que la théorie psychanalytique s'en est construite. Introducir una nueva situación en la práctica psicoanalítica va a modificar necesariamente la representación de la realidad psíquica que la teoría psicoanalítica se construyó de ella. Nous rencontrons alors de véritables obstacles épistémologiques. Encontramos entonces verdaderos obstáculos epistemológicos. Parmi ces obstacles épistémologiques, le plus puissant est la réduction qui identifie le psychique à l'individuel. Entre ellos, entre estos obstáculos epistemológicos, el más importante es el de la reducción que identifica lo psíquico a lo individual. Nous devons à la psychologie sociale structurale d'avoir montré que les phénomènes psychiques qui se produisent dans un groupe ne sont pas la simple addition des phénomènes psychiques appartenant à ces éléments constituants. Ça, c'est une réalité. Le debemos a la psicología social estructural el haber demostrado que los fenómenos psíquicos que se producen en un grupo no son la simple suma de los fenómenos psíquicos que pertenecen a sus elementos no excluyentes. Esto es trivial, es elemental. Mais ce qui peut être moins trivial, c'est que la psychanalyse a établi la même restriction que l'ensemble des démarches psychologiques traditionnelles. Pero lo que es menos elemental, digamos, es que el psicoanálisis estableció la misma restricción que el conjunto de los desarrollos psicológicos tradicionales. Assurément, Freud lui-même a transcendé cette opposition en avançant précisément l'hypothèse de la psyché de Marx ou psyché de Hugo. Por supuesto, hasta Freud mismo trascendió esta oposición al adelantar justamente la hipótesis de la psique de masse ou de la psique de groupe. Mais on sait aussi à quel point le point de vue de Freud est resté spéculatif. Il ne suffit donc pas de formuler une hypothèse concernant le niveau de la réalité psychique dans le groupe pour dépasser l'opposition. Il faut encore se donner des concepts et si possible la méthode qui permette de les mettre à l'épreuve. Pero también sabemos hasta qué punto quedó en forma especulativa. No es suficiente entonces formular esta hipótesis para tratar de superar la oposición e ir más allá de la oposición, sino también hay que darte los conceptos y en la medida de lo posible el método que permita ponerlos a prueba. Je voudrais maintenant très brièvement proposer quelques conditions qui permettraient d'inscrire la pratique du groupe dans le champ des pratiques référées à la psychanalyse. Quisiera brevemente proponer algunas condiciones que permiten inscribir el grupo en el campo de las prácticas referidas a la psicoanálisis. Pour poser ces conditions, je prendrai le problème sous un angle inhabituel, semble-t-il, encore trop peu exploré. Je me demanderai quelle sélection est opérée dans l'expérience psychique
par les caractéristiques de la situation psychanalytique. Para cambiar estas condiciones, voy a tomar el problema, o voy a verlo bajo un ángulo poco común y, de alguna manera, todavía poco explorado. Me voy a preguntar qué dirección se opera en la experiencia psíquica con las características de la situación analítica. Je me demanderai quelle sorte de phénomène psychique la situation de groupe sélectionne et retient spécifiquement. Y también voy a preguntarme qué tipo de fenómenos psíquicos la situación de grupo selecciona y retiene específicamente. Cet abord de la question a été éclairé pour moi par la réflexion de Paul Ricoeur. Este abordaje de la cuestión fue, sobre todo, digamos lo que le dio una luz, fue la reflexión de Paul Ricoeur. Sa thèse est que la théorie psychanalytique est la codification de ce qui prend place dans la situation psychanalytique. Dans la situation psychanalytique, quelque chose se produit qui est à entendre comme processus et résultat et qui mérite d'être appelé expérience psychanalytique. Su tesis es que la teoría psicoanalítica es la codificación de lo que ocurre en la situación psicoanalítica. En esta hay algo que se produce y que debe entenderse como proceso y resultado y que merece ser llamado la experiencia psicoanalítica. Alors, je voudrais maintenant développer quatre exigences de la situation psychanalytique. Quisiera ahora desarrollar cuatro exigencias de la experiencia psicoanalítica. Tout d'abord, l'exigence de dire. Entonces, en primer lugar, l'exigencia de decir. En effet, le premier critère de sélection est l'exigence posée par la psychanalyse que l'expérience psychique, et plus précisément, le désir inconscient est susceptible d'être dit. El primer criterio de selección es el de la exigencia planteada por el psicoanálisis, como, digamos, diciendo que la experiencia psíquica, y más precisamente el deseo inconsciente, es susceptible de ser dicho. Cette restriction, qui est propre à la technique psychanalytique de la cure, contraint le sujet à passer par le défilé des mots à l'exclusion de toute autre satisfaction substitutive. Esta restricción, que es propia de la técnica psicoanalítica de la cura, obliga a pasar por el desfile de las palabras con exclusión de toda satisfacción sustitutiva. Cette déterminación metodológica renvoie nécessairement a un presupuesto théorique que define du même coup ce qui peut être tenu comme l'objet de la psychanalyse. Il s'agit donc essentiellement du désir inconscient en tant que signification capable d'être amené au sens, d'être déchiffré, traduit et interprété. Esta determinación metodológica remite necesariamente a un presupuesto teórico que define al mismo tiempo lo que puede ser considerado como el objeto del psicoanálisis. Se trata fundamentalmente del deseo inconsciente en tanto que significación capaz de ser conducida al sentido de ser descifrada, traducida e interpretada. Or, le dispositif de groupe se caractérise par des traits différents celui de la cure. Ahora bien, el dispositivo del grupo se caracteriza por rasgos diferentes al de la cura. La pluralité des personnes, étrangères les unes aux autres, mobilise des motions fonctionnelles, des représentations dont j'ai évoqué quelques aspects, notamment sous l'angle des co-excitations et de leurs effets potentiellement traumatiques. La pluralité de las personas que no se conocen moviliza las mociones pulsionales y las representaciones de las que ya le he dicho algunos aspectos, principalmente en lo que se refiere a las co-excitaciones y sus efectos potencialmente traumáticos. La prevalence des identifications en urgence, la formation immédiatement conclue d'alliances inconscientes qui ont valeur de pacte des négatifs entre les sujets, l'appareillage sommaire des parties de la psyché dans une forme commune de liaison psychique, tous ces mouvements constituent des opérations à partir desquelles vont se spécifier les conditions et les effets du type. La prevalencia de las identificaciones de urgencia, la formación inmediatamente concluida
de alianzas inconscientes que tienen valor de pactos denegativos, el montaje somero de las partes de psiquis, de la psiquis en una forma común de ligación psíquica, constituyen las operaciones a partir de las cuales van a especificarse las condiciones y los efectos del decir. Si le groupe se maintient dans l'exigence de la psychanalyse, il ne peut qu'être le lieu, et je dirais la condition remarquable, de l'expérience d'un dire autrement, autrement inaccessible. Si se mantiene la exigencia de la psicoanálisis, el grupo solo puede ser el lugar, que diría la condición notable de la experiencia de un decir que de otro modo sería inaccesible. Ce qui spécifie le dire en groupe, ce sont ces conditions intersubjectives qui font apparaître les points de nuage du dire singulier, ses émergences, ses achoppements, ses impasses dans le tissage des processus associatifs. Lo que es específico al decir son estas condiciones, son sus condiciones intersubjetivas que lo hacen aparecer los puntos de anudamiento del decir singular, sus emergencias, sus obstáculos y sus, digamos, sus callejones sin salida en este tejido de procesos asociativos. Nous devons admettre que le groupe déploie deux espaces associatifs qui obéissent à des logiques distinctes, mais qui se rencontrent cependant en des points de noir significatifs. Debemos decir que el grupo despliega dos espacios asociativos que obedecen a lógicas diferentes y que se encuentran en puntos nodales significativos. Le premier est organisé par les déterminations intrapsychiques de chaque sujet, en y incluant le lien et les discours des autres. El primero se organiza por las determinaciones psíquicas de cada sujeto, incluyendo los vínculos y los discursos de los otros. Le second est orienté par la détermination de l'appareil de liaison et de transformation de l'appareil psychique, du niveau du groupe, c'est-à-dire l'appareil psychique global, et ce second niveau inclut des éléments de chaque discours singulier. El segundo se orienta por las determinaciones del aparato de ligazón y transformaciones de la debilidad psíquica del aparato psíquico del nivel del grupo e incluye elementos de cada discurso singular. Mon hypothèse est que le dire associatif qui se déploie dans le groupe est fonction des contenus refoulés, rejetés ou déniés lors des toutes premières rencontres qui ont conclu des alliances inconscientes inaugurales dans le groupe. Mi hipótesis es que el decir asociativo que se despliega en el grupo es función de los contenidos reprimidos, rechazados o denegados en el momento de los primeros encuentros donde se concluyeron las alianzas inconscientes inaugurales. Le retour du refoulé ou les réinscriptions signifiantes qui vont être amenées au sens dans le processus associatif va traiter ce refoulé groupal. El retorno de lo reprimido o las reinscripciones significantes que van a ser encargadas de sentido en el proceso asociativo va a tratar justamente esta represión, este reprimido grupal. Así, chaque asociación aura une double destinée pour ceux qui en sont les auditeurs et les destinataires. Así, cada asociación va a tener un doble destino para aquellos que son los oyentes y los destinatarios. Chaque association ouvrira la voie au retour du refoulé. Cada asociación va a abrir la vía retorno de lo reprimido. Ou bien elle renforcera le refoulement secondaire. O bien va a reforzar la represión en lo reprimido secundario. No, la represión secundaria. La chaîne associative globale constituera des prédispositions signifiantes utilisables par le travail de préconscient de chaque membre du groupe. La cadena asociativa grupal va a constituir las predisposiciones significantes utilizables para el trabajo del preconsciente de cada uno de los miembros del grupo. Le second critère que la situation psychanalytique sélectionne est ce qui met le désir d'un sujet en rapport avec le désir d'un autre. El segundo criterio es que la situación psicoanalítica selecciona lo que pone el deseo en relación con un otro.
La dimension du transfert se manifeste ici comme autre chose qu'une technique. La dimension de la transferencia va a manifestarse aquí como una cosa diferente a la técnica. Le transfert est à considérer comme une véritable dimension épistémologique de la psychanalyse, comme on atteste d'abord les textes de Freud. La transferencia es considerada como una verdadera dimensión epistemológica de psicoanálisis, tal como lo prueban varios textos de Freud. Ce qui est sélectionné par le dispositif psychanalytique est en mesure de révéler la dimension intersubjective et le trait constitutif du désir humain. Le désir humain est susceptible d'être dit, il est adressé à autrui. Lo que es seleccionado por el aparato psicoanalítico está en medida de revelar que la dimensión intersubjetiva y el rasgo constitutivo del deseo humano es ser susceptible de ser dicho y estar dirigido a otro. Et l'autre est évidemment susceptible de prendre différents statuts dans la cure, à la condition que le psychanalyste ne se confonde pas avec ses différents autres. Et l'autre est évidemment susceptible, o sea, l'autre peut, obviamente, tomar différents status en la cura, con la condition que le psychanalyste ne se confonde pas avec les autres. Ce que je voudrais souligner ici avec Ricoeur, c'est que l'expérience psychanalytique contraint la théorie à inclure l'intersubjectivité comme une condition même du désir. Lo que me interesa destacar aquí, junto a Ricoeur, es que la experiencia psicoanalítica obliga a la teoría a incluir la intersubjetividad como una condición propia del deseo. Cette implication, finalement, a été encore peu développée dans la théorie psychanalytique. Il subsiste ce que l'on peut appeler avec Ricoeur un solipsisme du désir, une définition du désir en termes d'énergie, de tension et de décharge, plutôt qu'en termes d'adresse vers autrui. Esta implicación está poco desarrollada en la teoría psicoanalítica y subsiste lo que puede llamarse un solipsismo del deseo, según Ricoeur, una definición del deseo en términos de energía, de tensión y de descarga, más que en términos de dirección hacia el otro. Le groupe est le lieu d'émergence de configuration particulière du transfert. El grupo es el lugar de emergencia de configuraciones particulares de la transferencia. Pour ma part, je trouve stupide la notion que le transfert dans les groupes serait diminué. Por mi parte, encuentro tonto que la noción de transferencia estaría diminuida. Cette notion a empêché de comprendre que dans le groupe, il s'agit plutôt du transfert de connexion entre les objets du désir. Ce que j'appelle la diffraction des objets à la notion du désir. La dilution de la transferencia impide entender que se trata más bien de la transferencia de las conexiones entre los objetos inconscientes del deseo, de lo que yo he dado a llamar su diffraction. Ce point de vue est décisif pour comprendre les enjeux et les modalités de l'appareillage psychique groupal, les assignations répétitives de place, les conditions d'un dégagement des places allouées mutuellement dans des scènes psychiques, dans des scènes et des scénarios dans lesquels l'autre et l'autre de l'autre, en tout cas plus d'un autre, est toujours convoqué. Este punto de vista es decisivo para entender los compromisos y las modalidades del montaje psíquico grupal, las asignaciones repetitivas de lugares, las condiciones de un desprendimiento de los lugares adquiridos mutuamente en las escenas psíquicas, escenas y escenarios en los cuales el otro del otro, en todo caso más de un otro, que se encuentran convocados. Le troisième critère introduit par la situation psychanalytique concerne la consistance, la résistance et l'insistance de certaines manifestations de l'inconscient. Le tercer critère introduit par la situation psychanalytique tiene que ver con la consistencia, la résistance et la insistencia de algunas manifestaciones de l'inconscient. Il s'agit essentiellement des fantasmes et des symptômes et par la suite de toutes les formations qui ont une structure homologue aux fantasmes et aux symptômes, le rêve, les objets abandonnés et substitués, les configurations engendrées par la combinatoire des substitutions.
Se trata fundamentalmente de las fantasías y de los síntomas y, seguidamente, de cualquier información que tenga una estructura homóloga a las fantasías y a los síntomas. El sueño, los objetos abandonados y sustituidos y las configuraciones originadas por la combinatoria de las sustituciones. Ce qui se qualifie comme réalité psychique dans les groupes est précisément l'objet de notre débat et c'est ce que j'ai commencé à traiter dans mon dernier livre. Ce que je tiens à mettre en évidence aujourd'hui, c'est quatre points. Ce qui se qualifie comme réalité psychique dans les groupes est l'objet décisif de notre débat. Et c'est en esto que j'ai commencé à travailler en mon dernier livre. Lo que quiero, digamos, destacar hoy son cuatro puntos. Premièrement, l'hétérogénéité des espaces psychiques intra-psychiques et des espaces psychiques groupaux, qui ne sont pas réductibles l'un à l'autre, et nous avons comme tâche de penser leur articulation. En primer lugar, la heterogeneidad de los espacios psíquicos, intrapsíquicos y grupales. No son reductibles uno al otro, pero justamente nuestra tarea es de pensar en la articulación entre sí. Deuxièmement, dans cette articulation, j'accorde une fonction décisive au fantasme, dans sa dimension structurale et distributive d'emplacements subjectifs. Tel que Freud en donne une version dans l'analyse de la langue fondamentale du fantasme chabertien et dans l'analyse du fantasme combat un enfant. En segundo lugar, en esta articulación, una función decisiva es la de reconocer a la fantasía en su dimensión estructural y distributiva, tal como Freud da una versión en el análisis de la lengua fundamental de las fantasías de la fantasía Scheberiana y en la de la fantasía se le pega al niño. Troisièmement, un double axe structure la position du sujet et l'organisation du monde. L'axe de l'alliance horizontale avec le maître, soutenu par les identifications mutuelles à l'image du semblable. Deuxièmement, l'axe de la filiation et des affiliations qui inscrivent le sujet singulier et les groupes dans la succession des mouvements de vie et de mort entre les générations, c'est-à-dire dans la question de l'héritage, du surmoi et des idéaux. En tercer lugar, el doble eje que estructura la posición del sujeto y la organización del grupo. El eje de la alianza horizontal con el mismo, sostenido por las identificaciones mutuas, la imagen del semejante. En segundo lugar, el eje de la filiación y de las afiliaciones que inscriben al sujeto singular y a los grupos en la sucesión de movimientos de vida y de muerte entre las generaciones, es decir, la cuestión de la herencia, del super yo y de los ideales. Quatrième point, il importe de mettre en évidence la résistance qu'oppose à toute réduction imaginaire l'opacité de l'autre et des autres. La consistance de la réalité psychique qui tient les sujets écartés les uns des autres. En quarto lugar, viene la resistencia que se opone a toda reducción imaginaria la opacidad del otro y de los otros. La consistencia de la realidad psíquica que tiene a los sujetos separados. C'est précisément cet écart que les liaisons imaginaires de groupe visent à abolir, et c'est là que doit porter l'analyse. Justamente, es esa separación que, digamos, que las. Es, digamos que las ligaciones imaginarias de grupo tienden justamente a abolir esta separación. Y es sobre eso que debe, digamos, tratar el análisis, el psicoanálisis. Quatrième critère, peut-être pas le dernier, mais c'est le dernier dont je parlerai. Cuarto criterio, quizás no el último, pero sí el último del que voy a hablar. La situation psychanalytique retient de l'expérience d'un sujet ce qui est en mesure d'entrer dans une histoire ou dans un récit. La situation analytique retiene de l'expérience d'un sujet lo que está en medida d'entrer dans une histoire ou un relato. Le travail de l'historisation est souligné par Paul dès qu'il introduit la notion de l'après-coup et de la perlaboration. Este trabajo de historización fue destacado por Freud en el momento en que introduce la noción de la pre-coup y de la pre-elaboración.
c'est-à-dire la notion d'une restructuration récurrente des événements antérieurs qui n'ont pas pu être intégrés alors à un contexte signifiant. Es decir, la noción de una reestructuración recurrente y de hechos anteriores que no pudieron ser integrados a, en su momento a un contexto significante. La mémoire, le travail de la mémoire, est alors le travail de la réélaboration des structurations antérieures sous des formes de plus en plus complexes. La memoria, el trabajo de la memoria, es entonces el trabajo de la reélaboración de las estructuras, de las estructuraciones anteriores bajo formas cada vez más complejas. Ce quatrième critère, à mon avis, fait sens dans le dispositif psychanalytique de Wundt, mais il se comprend, selon mon point de vue, par un concept particulier, celui de travail de l'intersubjectivité. Este cuarto criterio es el que le da sentido en el dispositivo psicoanalítico de Wundt. Se entiende, según mi punto de vista, por el concepto de trabajo de la intersubjetividad. J'appelle le travail de l'intersubjectivité le travail psychique de l'autre ou de plus d'un autre dans la psyché du sujet de l'inconscient. Llamo trabajo de l'intersubjetividad al trabajo psíquico del otro o de más de un otro en la psyché del sujeto del inconsciente. Cette proposition a pour corollaire que la constitution intersubjective du sujet impose à la psyché certaines exigences de travail psychique. Esta propuesta tiene como corolario que la constitución intersubjetiva del sujeto, lo que define este concepto del sujeto de grupo, impone a la psique algunas exigencias de trabajo psíquico. Le concepto de travail de l'intersubjectivité admet, como une conséquence du concept de sujet du groupe, l'idée que chaque sujet est représenté, cherche à se faire représenter dans les relations d'objet, dans les imagos, dans les identifications et les fantasmes inconscients d'un autre et d'un ensemble de nous. El concepto de trabajo de la intersubjetividad admite como una consecuencia del concepto del sujeto del grupo la idea que cada sujeto está representado y busque hacerse representar en las relaciones de objeto, en los imagos, las identificaciones y las fantasías inconscientes de un otro y de un conjunto de otros. De même, chaque sujet se lie dans des formations psychiques de cette sorte avec les représentants d'autres sujets, avec les objets d'objets qu'il héberge en eux. Il les lie entre eux. De la même manière, cada sujeto se relaciona con las formaciones psíquicas de esta manera con los representantes de otros sujetos, con los objetos de objetos que albergan en sí mismo. Se relaciona entre sí. L'accès au sens est corrélatif de l'accès au jeu métaphorique entre l'ensemble global et l'espace intrapsychique. L'accès au sentido est corrélatif avec l'accès au juego métaphorique entre le conjunto global et l'espace psychique. Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure, et pour conclure, je voudrais proposer deux remarques. Bueno, creo que ha llegado el momento de concluir, y para esto propongo dos observaciones. Engager une nouvelle situation dans la pratique psychanalytique, c'est nécessairement introduire de nouveaux objets théoriques qui doivent être évalués par rapport au champ des objets paradigmatiques de la psychanalyse. Empezar una nueva situación en la práctica psicoanalítica es necesariamente, digamos, introducir, quiere decir necesariamente introducir objetos nuevos, objetos teóricos nuevos que deberían ser evaluados con respecto al campo de los objetos paradigmáticos del psicoanálisis. Aujourd'hui, à l'heure où s'exacerbent les effets contraires des illusions individualistes et des repliements tribaux qui les amplifient jusqu'au suicide, la réflexion que je propose porte sur les exigences conflictuelles que s'imposent mutuellement le sujet singulier et les ensembles intersubjectifs. En la época actual, donde se exacerban los efectos contrarios de las ilusiones individualistas y de los repliegues tribales que las amplifican hasta el suicidio, la reflexión que propongo se refiere a las exigencias conflictivas que se imponen mutuamente el sujeto singular y los conjuntos intersubjetivos. Pour chacun, on devrait dire pour chaque un, la nécessité d'être
à soi-même sa propre fin, et en même temps celle d'être l'héritier, le serviteur, le bénéficiaire et le maillon d'un ensemble intersubjectif dont, pour une part, procède sa vie psychique et son identité. Para cada uno, y en este juego de palabras separándolo, pero en castellano ya está separado, es de cada uno, la necesidad de ser en sí mismo su propio fin y al mismo tiempo el de ser el heredero, el servidor, el beneficiario, el eslabón de un conjunto intersubjetivo que por una parte procede su vida psíquica y su identidad. Pour les ensembles intersubjectifs, pour les groupes, pour les institutions. Para los conjuntos intersubjetivos, para el grupo, para la institución. La nécessité d'assurer leur continuité et leur transformation en y assujettissant leurs éléments constituants. Mais de telle sorte que chaque sujet y trouve à y satisfaire ses besoins et ses désirs, sans mettre en péril l'œuvre de culture grâce à laquelle ils se maintiennent et par le moyen duquel se transmet la psychique. Para los conjuntos, la necesidad de asegurar su continuidad y sus transformaciones, sometiendo a ellos sus elementos constituyentes, pero de tal manera que ahí encuentren satisfacción de sus necesidades y de sus deseos, sin poner en peligro la obra de cultura gracias a la cual se mantiene y por medio de la cual se transmite la vida psíquica. Alors, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Justamente por la razón de su corta duración.
parce que il y a parce que la perspective de la fin du groupe est annoncée à l'avance. Porque la perspectiva del fin del grupo está anunciada desde el principio. Alors les membres du groupe, los miembros del grupo, forman une représentation de l'ensemble qu'ils forment. Una representación del conjunto que ellos forman. À travers différentes modalités de pensée. A través de distintas modalidades de pensamiento. Notamment à travers la référence à des contes ou à des mythes. También a través de la referencia a cuentos, a mitos. Mais on peut voir aussi apparaître dans des groupes de brève durée. Pero en los grupos de corta duración. Des formations de type utopique ou idéologique. Aparecen formaciones de tipo utópico o ideológico. Dans ma pratique, en mi práctica, j'ai beaucoup travaillé sur l'émergence de l'utopie et des idéologies dans les groupes. He trabajado mucho en la emergencia de utopías y ideologías en el grupo. Et le matériel qui m'a rendu le plus service en quelque sorte, el material que me ha sido más útil en este asunto, c'est celui qui venait des groupes de brève durée. Es en los grupos de corta duración. Ha sido con trabajo con grupos de corta duración. Parce que le groupe de brève durée a un rapport avec l'histoire. Porque establecen una relación con la historia. Difficile relación con la historia. Dans la mesure où l'histoire, c'est une transformation de la discontinuité dans un récit. La historia es una transformación de la discontinuidad. Dans un récit. Es que se recicla. Dans un récit. Es un relato. Et précisément, l'utopie comme l'idéologie sont des systèmes de pensée qui visent à nier l'histoire. Et les utopies sont justement des processus qui dénient l'histoire pour l'historisation. Alors, on voit donc se représenter dans les groupes de brève durée. Están representados en los grupos de corta duración. Des formes de récit. Como forma de recitado. Qui représente des sujets que representa el sujeto dans la difficulté de leur rapport avec l'historisation. En justamente la dificultad de relación con la historización. Alors, je dis que c'est la question que vous posez est intéressante parce que c'est à la fois une question qui porte. La cuestión es muy interesante porque plantea justamente. Parce que c'est une question qui porte à la fois sur ce que l'on obtient. C'est aquello que uno obtiene. À travers des dispositifs différents. A través de dispositivos diferentes. Et c'est aussi une question. Y es también una cuestión. Qui concerne les contenus. Que mantiene la cuestión del contenido. De représentation. De representaciones. À partir desquelles chacun. A partir de las cuales cada uno. Va pouvoir. Va poder. Penser sa propre position. Pensar su propia posición. Vamos a pasar a la pregunta. Alors, je voudrais tout d'abord faire un rappel
historique, Freud est le premier à introduire la notion d'une alliance inconsciente entre des sujets. Freud est le premier à parler d'une alliance inconsciente entre les sujets. Inconsciente, ce n'est pas seulement au sens de la seconde utopie, au sens qualificatif, ce qui est l'inconscient. Inconsciente, non seulement en le contexte de la seconde utopie, c'est ce qui est inconsciente. Mais je pense que nous pouvons entendre ces alliances inconscientes comme constituant les contenus de l'inconscient. Mais je crois que nous pouvons considérer. Pero creo que podemos considerar estas alianzas no seulement comme au sens de la seconde utopie, c'est-à-dire au sens qui décrirait ces alliances comme n'étant pas dans le champ conscient. En el sentido de que no entrarían solo en el campo de lo consciente, mais comme productrice des contenus de l'inconscient. Sino como productora de contenido del inconsciente. Alors, j'en donnerai un exemple dans l'œuvre de Freud et un autre exemple dans la vie de Freud. Voy a dar un ejemplo de la obra de Freud y otro de la vida de Freud. Dans l'œuvre de Freud, la façon dont Totem et Tabou est présenté. En la obra de Freud, la manera que Totem y Tabou está presentado. Est l'exemple d'une alliance inconsciente. Es un ejemplo claro de una alianza inconsciente. Les meurtriers doivent reculer. El asesino debe reprimir la culpabilité la culpa qu'ils éprouvent à la suite du meurtre du père original que, digamos, siente por la muerte del padre original, por el asesinato del padre original et doivent maintenir entre eux deux choses y tienen que mantener entre ellos dos cosas ce qui a été refoulé ne peut surgir que sous une forme transformée. Lo que ha sido reprimido no puede surgir más que de una manera transformada. Mais la culpabilité doit constamment être relancée. Comment on va dire? La culpabilité doit constamment être réévoquée. Pero la culpa va a ser constantemente evocada. Dans les rites. Recordada. L'alliance entre les frères. Dans les ritos, c'est déjà l'alliance entre les hermanos. Il y a là un pacte de négatif, on pourrait dire originel. Aquí está, aquí encontramos un pacto de negativo que podríamos llamar original. Alors, l'exemple dans la vie de Freud est tout à fait intéressant parce qu'il est à l'origine de la psychanalyse. El ejemplo de la vida de Freud es muy original porque está en el principio de la vida de Freud. Je fais allusion ici au pacte qui s'est établi entre Freud et Fliess au moment de l'opération des cornes nasales de Emma Eckstein. Et hago referencia al pacto entre Freud y Fliess que se dio en el momento de la operación de Emma. Emma Eckstein. De los cornes nasales. De Emma. Emma Eckstein. Eckstein. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, de ce qu'on relate, de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. Freud propose à Fliess qui le lui avait demandé. Freud propose à Fliess qui se l'avait demandé. D'effectuer une opération sur une de leurs patients, sur une des patients de Freud. De faire une opération à une des patients de Freud. Pour mettre à l'épreuve les théories de Fliess. Pour approuver les théories de Fliess. Sur la localisation bisexuelle dans le nez. Sur la localisation bisexuelle dans le nez. Du conflit hystérique. Del conflicto histérico. Alors on voit donc deux hommes qui vont ouvrir une barre pour voir ce qu'il y a dedans. Aquí vemos a dos hombres que van a abrir a una mujer para ver lo que hay adentro. Je pense qu'il y a là un lien homosexuel pour moi. Pienso que aquí hay un vínculo homosexual mínimo. Qui est fondé sur le désir de voir l'intérieur du corps de la femme. Que está fundado sobre el deseo de ver el cuerpo de la mujer. Su sexo. Su sexo. Et
vous savez aussi que Fritz va oublier. Ustedes saben también que Fritz va a olvidarse. En ouvrant le cornet nasal. Abrir los cornetes nasales. Certains disent 20 cm. Algunos dicen 20 centímetros. De toile de gaz. De gaz. Évidemment, la pauvre Emma va être très souffrante de cela. Es obvio que con la pobre Emma sufrió muchísimo con esto. Et elle va avoir des troubles. Y va a tener trastornos. Et Freud va dire à Fritz que c'est l'hystérie d'Emma qui est la cause de ces troubles. Y Freud va decirle a Fritz que es la histeria de Emma la que va a provocar estos dolores. Il va lui écrire cette formule: pour le sang, tu n'es pas responsable. Il va écrire la formule suivante: pour la sangre, non sont responsable. Autrement dit, je veux que tu n'en saches rien. Dicho de otra manera, quiero que no sepas nada. Parce que si tu le savais, moi je devrais aussi en savoir quelque chose. Porque si tú supieras, yo también tendría que saber algo. Il scelle donc un pacte. Por lo tanto, sellan un pacto. Sur la base d'une dénégation. Basándose en una denegación de leur désir homosexuel, de su deseo homosexual, et de leur désir de connaître et de maltraiter le corps féminin. Y de su deseo de conocer y maltratar el cuerpo femenino. Alors c'est à l'origine de la psychanalyse, c'est aussi une des origines de la psychanalyse, c'est le proton pseudos de la psychanalyse. C'est le premier mensonge dans son journal. Et la première mentira fondamentale de la psychanalyse. Et le retour du reflet va venir dans le rêve de l'injection faite à Irma. Et le retour de lo reprimido va volver en el sueño de l'injection faite à Irma. Ce qui va Irma. Bien sûr, parce que donc, Irma et Emma Einstein. Et puis d'autres encore qui sont condensés dans la figure d'Irma, et c'est le rêve qui ouvre l'interprétation du rêve. Et c'est le sueño qui abre l'interprétation du sueño. Voilà un autre exemple de pacte dénégatif. Autrement dit, aquí otro ejemplo de pacto denegativo, de otra manera, le pacte dénégatif est ce que nous devons laisser de côté, rejeter, es aquello que tenemos que dejar de lado, rechazar, ou dénier. Ou négat. Ou désavoué. Renégat. Ou renégat. Pour que le lien. Pour que le lien puisse se constituer. Para que el vínculo pueda constituir. Donc le pacte des négatifs, il a deux faces. Une face constitutive. El pacto de negativo tiene dos caras. Et une face défensive. Y otra defensiva. Alors on peut repérer des modalités du pacte de négatif dans les relations entre les parents et les enfants. Se pueden identificar este tipo de pactos en las relaciones entre los padres y los hijos. Une de mes collègues a travaillé sur certains pactes de négatif. Un colega trabajó sobre algunos pactos negativos. Et là, montrer comment ce qui n'a pas été refoulé chez la mère il démontre comment le non está reprimido en la madre réapparaît sous forme d'un délire chez la fille aparece en forma de delirio en la hija. Alors ça, ce sont des propositions qui ont été particulièrement développées par Lacan. Son propuestas que fueron principalmente desarrolladas por Lacan dans sa conception de ce qui passe entre les générations et en su concepción de lo que ocurre entre las. Mais ce qui caractérise le travail de ma collègue, pero lo que caracteriza el trabajo de mi colega, c'est qu'elle a pris en travail psychanalytique, à un moment donné, la mère et la fille. Es que tomó en un momento dado, en trabajo psicoanalítico, la madre y la hija. Et c'est seulement dans cette situation que a pu se dévoiler l'enjeu du pacte entre elles. Y es aquí, y es en ese momento, donde pudo revelarse el compromiso del pacto. Parce que le pacte des négatifs se caractérise par le fait que chacune des deux parties a un intérêt puissant à maintenir le pacte entre eux. Porque cada una de las partes del pacto de negativo se caracteriza justamente porque cada una de las partes tiene interés a mantener este pacto, Voilà. ¿Alguna otra pregunta?
¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? Sí, allá. On pourrait dire aussi que ce sont des sujets qui n'ont pas eu un accès
à la loi symbolique qui leur permettrait d'articuler les différents objets internes. Podríamos decir que son sujetos que no tuvieran acceso a la ley simbólica que les permite articular los diferentes objetos internos. Y podríamos decir aussi que el psicotipo vit esencialmente morcelé entre ces objets partiels. Podríamos decir que el psicótico vive, en pedazos, entre sus objetos. Alors, la situation de groupe offre tout d'abord une enveloppe, un contenant. La situation de groupe offre, en premier lieu, une envoltura. Elle permet que soit projetée dans différents lieux la multiplicité interne. Permite que sea proyectada la multiplicidad interna. Et elle permet également que s'effectue ce que j'appelais le travail psychique de l'intersubjectivité. Y permite que se realice el trabajo psíquico de la intersubjetividad. Avec des alternances où ce travail psychique consiste à coller les morceaux. Con alternancia, cuando este trabajo psíquico consiste en pegar los pedazos. On a affaire donc à une organisation où le groupe est utilisé comme défense contre la fragmentation. Y entonces estamos frente a un grupo que está como defensa contra la fragmentación. Mais on a aussi affaire à d'autres moments les écarts commencent à s'établir et à être tolérés. Pero en otro momento, las diferencias empiezan a establecerse y a ser toleradas. Et on commence aussi à faire l'expérience, une expérience qui a été décrite par Ronald Lane. Una experiencia que fue descrita por Ronald Lane. C'est pas tout à fait une expérience, c'est plutôt une caractéristique des familles schizophrènes. Et más que una experiencia, es una característica de las familias esquizofrénicas. Lane a montré que dans les familles schizophrènes, mais on observe ce même phénomène dans les groupes, y compris les groupes qui ne sont pas faits de psychotiques, qui sont faits de gens névrosés. Et on observe que en esta familia, comme los grupos, no grupos de psicóticos, sino grupos de neuróticos, il a remarqué que chaque membre du groupe portait en lui-même l'ensemble. Et observe que cada membre del grupo llevaba en sí el conjunto del grupo. De telle sorte que si quelque chose change chez un des membres du groupe. De manière telle que si algo cambia en algún miembro del grupo. Dans son rapport au groupe. Con respecto a sus relaciones con el grupo. Tout le monde se sent menacé. Todos se sienten amenazados. On peut décrire cela avec le concept qu'a proposé Lane de co-inhérence. Podríamos describir esto con el concepto que propuso el mismo Lane, el concepto de co-inherencia. Ou bien avec le concept d'inclusion mutuelle. O con el concepto de inclusión mutua, qui est un concept proposé par mon collègue Samuel. Que el concepto propuesto por mi colega Samuel. Alors, voyez, pour répondre à votre question, que l'autre dans le groupe de psychotique a essentiellement le statut d'un objet partiel. Et que pour répondre à votre pregunta, que l'autre dans le groupe tiene su estatus de objeto partiel. Mais on pourrait dire aussi que le fait que l'autre ait le statut d'objet partiel permet les échanges. Pero este estatuto de objeto parcial permite los intercambios. Ce qui importe ici, c'est la position, mettons, contre-transférentielle du thérapeute. Lo que interesa aquí es la posición contra-transferencial del terapeuta. Et la façon dont il peut, lui, travailler avec l'angoisse psychotique. Y la manera en la que puede trabajar con la angustia psicótica. Dans ce cas, il importe que le thérapeute ou l'analyste soit lui-même bien articulé avec une organisation symbolique. L'important est que le thérapeute ait été lui-même bien articulé avec une organisation symbolique. Autrement dit, qu'il puisse lui-même prendre appui sur la fonction symboligène. Dicho de otra manera, que pueda apoyarse sobre la función simbolicogénica. Simbolizante. Et une partie de cette fonction symbolisante, c'est le travail de la théorisation. Y una parte de esta función simbolizante es el trabajo de la teorización. Bueno, dada la hora, agradecemos otra vez al profesor Menecael por la riqueza y la complejidad de sus pensamientos, a Mika Benesnici, que ha hecho una traducción de mucha precisión, y bueno, la facultad.
Ben, of the PSL.